Salut les bibis, c'est Cersei, on est avec Empereur des Rats, avec un petit sparring là tranquillou pour se faire plaisir. Donc ça va pouvoir parler un peu du fight. Ouais, le match retour de l'UFC 275. C'était plutôt sympathique ma foi. D'ailleurs on est avec l'expert là. Ouais, un très bon fight hein. Ouais, tu kiffes. C'est vrai que tout à l'heure on disait mais 42 ans quand même, hein, Glover. Ouais, 42 ans, c'est vraiment impressionnant. Hein. Parce que même au niveau cardio, moi je l'ai pas senti. Il y a des moments où il était fatigué aussi, mais comme l'autre en face, comme Jerry. Jusqu'à il était plus fatigué. Hein. Surtout après le 5ème round qu'il a passé, j'ai envie de te dire. Donc, non, même au niveau cardio, moi je pensais justement que tu vois, Jerry aurait pu jouer là-dessus. Bah, franchement, non, vaut mieux pas jouer au cardio avec Glover. Hein. Ouais, il a trop baissé les bras aussi, il a plus trop entré dans son style. C'est avec les bras béants, le menton bien en avant, et il en a pris quand même. Il a bien été puni 2-3 fois par le crochet de Teixeira. Hein. De toute façon, j'ai vu que Jerry, à chaque fois, parce que je regardais ce matin un peu l'actualité, il disait qu'il prenait quand même pas mal de coups. Hein. À chaque combat, à chaque fois, c'était même une guerre ces combats, et que. Bah, que la santé, ça peut prendre un coup, quoi. Ah, carrément. Alors attention parce que j'ai un truc cheaté avec lui, c'est celui-là, il est en niveau 5 étoiles. Je crois le spinning elbow aussi. J'en ai qu'un, non, je crois, 5 étoiles. On va regarder avec Popo, on a fait... à vérifier quand même ton information. On ira voir. Le truc, on a regardé, j'ai eu qu'un 5 étoiles. Après, il a pas mal de 4 étoiles aussi. Après, il reste assez classique, hein. Franchement. Pas mal de flying facilement. Juste, ouais, voilà, légèrement sur rond, il rentre tout seul. Je sais même pas s'il a le coup de coude, tu sais, comme John Jones à l'intérieur, là. Je sais plus comment on le sort, celui-là. C'est R2, L1, carré. C'est celui qui remonte, là. D'ailleurs, il l'a fait, contre Teixeira. Je suis pas sûr qu'il l'ait. Je crois que c'est R2, L1 et carré ou triangle. Ouais. Si je me trompe pas. On va revoir ça, quand même. Chat a pas de coude. Ah, t'as pas de coude du tout, toi? Je dirais non. Oh, c'est moche, ça. Alors ça, c'est vraiment moche. Quoi. Oh, t'as vu, il a mis des bons coups de genoux dans le game, Jerry. Ouais. Il avance, à la fin, ça, il a pris un crochet quand même dessus. Mais avant de prendre le crochet, il en a mis plusieurs, quand même. Mais j'ai kiffé qu'il le sèche, Teixeira, là-dessus, d'ailleurs, sur un des crochets. Sur un de ses coups de genou. Sur un coup de genou, ouais. Ouais, ouais. J'ai trop pensé à lui. Il avait l'air de faire très mal, quand même, ouais. J'avoue. Ouais, t'as vu, non, mais c'est... Lui, c'est, pour moi, c'est, ça, c'est des vrais poids lourds légers, ça, c'est des vrais... T'as vu, Corpilac, Teixeira, on dirait, je sais pas, un bûcheron, quoi. Ouais, il est costaud. Ouais, puis tu sens que le corps qu'il a, c'est pas de la gonflette, quoi. Il est pas là pour... Il a une bonne boxe, quand même. Sa boxe est bonne, hein. Ce box c'est très bon. Ouais, classique mais bonne. Efficace. Efficace. Bon, pour moi il est quand même complet, hein, même si le sol il est quand même sa formation. Quand même mal. Après HK je trouve justement il a trop joué avec le fait qu'il s'est dit je suis meilleur que les deux bouts, tu vois. Et... Ouais mais tu dis ça mais justement regarde la fin du même le 5ème round, ouais, bon, tu vois Glover en fait qui démonte en fait Prochaska debout et au final Prochaska qui fait une soumission à Glover à la fin quoi. Moi je trouve ça excellent, ils vont chacun dans le domaine de l'autre et parce que la Prochaska oui il est peut-être meilleur debout techniquement mais excuse-moi je veux dire le 5ème round il se faisait démonter debout hein, faut dire ce qu'il est hein. Il s'est fait éclater hein debout. Hein. Après, il a des soumissions spéciales ou pas, Glover, au sol? Je sais pas. Je crois que c'est la première fois que je joue. Ouais. De toute façon, on va faire un petit tuto, Glover. Si on a fait le tuto Prochaska, là, on va faire le tuto Glover. On va voir un peu ce qu'il a au sol. Ah. C'est plus de sort plus, 5 étoiles, merde. Ah, les deux sont solides quand même. Hein. Ça bloque, ça bloque.
Ouais, mais là, je préfère prendre des coups et... Quand vous savez que vous avez un lutteur en face, des fois, ça vaut le coup de prendre... Attention à aux dégâts de tête, quand même, d'accord. Mais ça vaut le coup de prendre quelques coups pour éviter l'amener au sol. Parce que... Vaut mieux que je prenne un ou deux coups, là, en clinch, qu'il m'amène au sol, il va me tabasser. Bah, après, attention, quand même. Donc on n'oublie pas, quand on passe en clinch, les takedowns ils passent sur R1. Oh, la barre de blocage. Oh, et Jiri qui va chercher au sol. Et ça ne passera pas. Alors on fait comme ils ont fait cette nuit, hein, on va chercher dans le domaine de l'autre. Et ça passe. Oh non, ça bloque pas. Et là c'est la merde. Il reste une minute. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être... Oh, Glover qui fait des feintes de ressortir juste pour me tabasser gratuitement. Hop là, attention, on passe dans le dos, ça j'adore ça. Ça j'adore vraiment, je suis fan. Parce que là on fait L1, on ressort direct. Si on est un peu striker, on peut ressortir direct. Mais nous on va jouer le jeu qu'il faisait ce matin, ça bloque, attention. Ça tente la rear naked choke dans le dos. Il reste 20 secondes. Attention. Enchaînement, hop, on appuie sur croix. Ah, c'est serré quand même, mais le dégagement est devant. Et il n'y aura pas le temps de toute façon. Oh là là, prochain skate qui met la pression au sol. Bonjour. J'ai vu aussi, il y en a, et le truc m'a appris ça, Popo, genre tu peux faire non... Respect, ouais. Voilà, non respect. Non machin, tu peux faire en doublé en fait. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Ah merde, faut appuyer entre les rangs, j'ai oublié, merde. Ah bah faut qu'on finisse avant là. La limite. Ouais. On va essayer, allez, là, on rentre dans le tas, là. Dernière round, de toute façon, on a mis 3 rounds. On y va en mode truc furieux. Un KO comme ça, l'autre jour, là, ça le connaît. Oh, attention, ça va chercher le clinch. Attention, pas se faire emmener au sol. Oh, attention, les deux coups de genou à la tête, là, qu'on fait très mal. Je pensais que ça allait le calmer, mais non, c'est lui qui m'a calmé. Oh, ça aurait pu être beau, mais il s'est pas passé grand chose. Oh, le petit low kick à la fin, la petite feinte. Ouais, on m'a surpris de le kick. Oh, la prochaine ska. Oh, c'était pas mal ça. Ouais, c'était beau. Le cardio est bas, c'est la merde. Non, il va mourir. Oh, il est en train de mourir. Et il est mort. Oh non. Et ça aurait pu se passer comme ça si Glover avait pas fait la soumission dans le cinquième round. Ouais. Il a tenté. Franchement, il était plus réactif. Hein. Franchement, enfin, avec DC, on va pas. Voilà, on coupe du bois, mais. Moi je dis respect à Glover qui était à deux doigts de le mettre KO. Hein. Franchement. Hein. Allez, vas-y, on coupe là-dessus. Bon, bah, à plus tard les bibis pour une prochaine vidéo. Salut.